Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes, parents ou futurs étudiants, considèrent qu'un bon niveau en maths est nécessaire pour réussir ses études en informatique, et plus particulièrement à Epitech. Nous allons voir que ce n'est pas vrai. Ces stéréotypes sont en effet très ancrés dans l'imaginaire collectif. La première des raisons, c'est que l'informatique moderne a été créée par des mathématiciens, pour des mathématiciens, dans un but de calcul balistique ou statistique. L'informatique moderne est donc restée dans un environnement très mathématique pendant plusieurs décennies. Par la suite, l'informatique se démocratisant, il a fallu former de futurs informaticiens. Cependant, il n'y avait pas d'études spécifiques pour former des informaticiens, mais les mathématiques avaient cette capacité de développer des esprits logiques qui permettaient de devenir informaticien. C'est donc naturellement que les gens se sont portés vers les mathématiques pour pouvoir faire de l'informatique. Pour faire des études en informatique, il faut avant tout être logique. Les mathématiques permettent d'être logique, en effet, de développer cet esprit logique, mais ce n'est pas le seul cheminement, ce n'est pas un moyen universel de développer l'esprit logique. À Epitech, nous proposons à nos étudiants de développer cet esprit logique au travers de multiples expérimentations qui vont leur permettre de développer finalement ces mécanismes de raisonnement. Finalement, les mathématiques seront donc un outil au service de l'informatique. Il n'est donc pas nécessaire d'être mathématicien pour être informaticien. Bien évidemment, les secteurs de l'informatique sont tellement larges que certains domaines demanderont des compétences mathématiques plus ou moins développées. L'intelligence artificielle ou la cryptographie, par exemple, vous demandera de faire preuve d'une meilleure connaissance et d'une meilleure maîtrise des outils mathématiques que dans d'autres secteurs du développement. Pour réussir ses études en informatique, il va falloir faire preuve de beaucoup de qualités. Les principales d'entre elles sont avant tout la curiosité, la capacité finalement à expérimenter et à multiplier les expériences pour développer les compétences nécessaires pour réussir ses projets. La seconde qualité est inhérente à la place de l'informatique dans la société. L'informatique est à la croisée des métiers. L'informaticien devra donc comprendre les usages, comprendre les besoins et apporter des solutions qui y répondent. À Epitech, nous amenons nos étudiants à développer ces compétences au travers de multiples projets. L'informaticien devra donc faire preuve d'une grande ouverture d'esprit.